Depuis l'annonce de son cancer, Kate Middleton a notablement réduit ses engagements royaux. Selon le Daily Express, la princesse de Galles n'a l'intention de reprendre ses fonctions publiques que sous réserve de l'approbation de ses médecins. D'après le média britannique, l'épouse du prince William attend avec impatience le feu vert de ses médecins pour pouvoir reprendre son travail. En l'absence d'approbation médicale, la mère de famille, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer potentiellement du côlon ou des ovaires, ne reprendra pas ses fonctions. Cette nouvelle réconfortante fait suite à d'autres informations rassurantes sur l'état de santé de Kate Middleton. Malgré une rumeur la déclarant mourante, il est heureusement confirmé qu'il n'en est rien. Selon un porte-parole de Kensington Palace, rapporté par le Daily Mail, Kate Middleton s'est engagée dans un nouveau projet visant à soutenir la petite enfance. Ce projet a pour objectif d'encourager les entreprises à mettre en place des pratiques de travail favorables à la vie familiale. Malgré sa bataille contre la maladie, la mère de trois enfants, qui s'est tenue discrète ces derniers mois, possiblement en raison d'une perte de cheveux, a suivi de près tous les aspects du dossier depuis son manoir à Windsor. Cela démontre qu'elle conserve une certaine vitalité lui permettant de s'investir dans des projets qui lui tiennent à cœur. Cependant, Kensington Palace a tenu à souligner que cette annonce ne devrait pas être interprétée comme un signe annonciateur du retour imminent de la duchesse à ses fonctions officielles.